Raph. Donc Raph, si je comprends bien, vous m'avez appelé pour mettre la Simra, c'est ça? Oui, mais attendez, mais comment vous êtes... Vous me faites confiance ou pas? Je sais pas, j'ai... Alors on y va, allez, c'est parti, allez! Plus qu'une école, une vraie famille, pour une éducation juive et réussie. Les enseignants, au cœur brillant, permettant l'épanouissement de nos enfants. De l'unité, sérénité, retrouver ces piliers qui nous ont fait monter. Nos rabbinis, nos manigis, nous tracent ce chemin pour bâtir notre destin. Alors ensemble partageons notre bonheur, pour encore mieux servir notre Créateur. Intégration, élévation, au rythme du ministère de l'éducation. L'Ulpan l'anglais, repas gourmet et activité rythme toute notre journée. Alors ensemble partageons notre bonheur, pour encore mieux servir notre Créateur. Quelqu'un d'émotif, mais quand je rentre dans cet endroit, mon cœur se remplit d'une émotion particulière. Ma vision à moi quand je vois ces enfants ici, c'est dans 15 ans, pas plus. Dans 15 ans, ce seront les futurs papas et les futures mamans de notre communauté. Une pépinière, un endroit sécurisé, un endroit humain, un endroit où il fait bon de vivre, où les enfants sont spontanés, on sent qu'ils sont détendus. C'est l'endroit le meilleur pour faire grandir une communauté saine et équilibrée. Vous participez avec nous à ce projet, il est énorme. Il est lourd, mais il est tellement exceptionnel. Quand on investit sur des enfants, on investit sur l'éternité. Donner une force à la communauté francophone de s'établir en Israël, on appelle ça le Yishuv Eretz Israël. C'est la plus belle façon, on n'en a pas trouvé une autre, pour que nos enfants resteront ici, dans ce pays, Bezrat Hashem, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen, Ken Yehi Ratzon. On peut dire que cette année, c'est l'année du miracle. Des miracles pluriels. Baruch HaShem, on a reçu ce bâtiment de la mairie. Au-delà de la structure scolaire, nous avons également une structure communautaire qui jouit de ce lieu. Mais c'est surtout l'agrément que nous avons reçu du gouvernement qui nous permet aujourd'hui de travailler dans des conditions optimales, pas seulement sur le plan de la langue et des études,
mais surtout d'éducation. L'échelle de valeurs que nous avons reçue depuis des millénaires a été retransmise fidèlement et grâce à Dieu, les enfants, c'est avec bonheur qu'ils viennent à l'école pour intégrer ces vraies valeurs. Alors, Be'ezrat Hashem, je ne peux que souhaiter qu'avec les parents, avec les enseignants et l'ensemble de la direction, tous ceux qui s'investissent au quotidien pour l'évolution et le progrès de tous ces tzadikim et tzadikot, qu'on puisse récolter ensemble beaucoup de nachat et faire en sorte que nous soyons la génération qui méritera très bientôt d'accueillir Mashiach Tzidkenu. Amen, ken yehi ratzon.